Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un vlog un peu blabla. Enfin un vlog, la caméra est quand même posée. Mais bon, je me suis dit que j'allais me préparer avec vous et vous expliquer un petit peu toutes les choses qui vont arriver prochainement, parce que je voulais pas vous laisser sans vidéo aujourd'hui. Et c'était un peu juste au niveau timing pour poster une vidéo un peu plus élaborée. Donc je vais me préparer avec vous. Désolée si je regarde un peu sur le côté, mais dans le retour écran je me vois pas vraiment très très bien et très précisément, donc je préfère regarder juste là. Donc là j'ai déjà fait mon teint et l'anti-cerne, donc je vais passer aux sourcils. Donc en fait voilà, je voulais vous parler un peu parce que ça fait longtemps qu'on parle plus ensemble. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci parce que je suis contente de la tournure que prend la chaîne. Après certains vont me dire quelle tournure, parce que c'est pas énorme, mais c'est vrai que la chaîne elle commence à monter et franchement ça me fait super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai de plus en plus de commentaires et ça me fait super plaisir de pouvoir vous répondre et de partager avec vous à chaque fois. Et franchement je suis super contente parce que j'ai plein de belles choses qui arrivent prochainement, notamment un nouveau test de produit. Donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer ça. Je vais bientôt recevoir le produit, donc je vais pouvoir vous en parler, mais c'est vraiment quelque chose de top parce que j'ai déjà pu tester par moi-même les produits il y a quelques mois maintenant, et là on m'a contacté pour pouvoir tester un autre produit de la marque. Donc je suis vraiment super contente de pouvoir vous proposer ces vidéos là parce que c'est vraiment l'occasion de vous faire un avis sur une marque. Donc je vous l'avais déjà fait avec les bougies, avec Forever et je pense que c'est tout. Je l'ai fait deux fois ou trois fois. Deux fois je pense. Et donc voilà, franchement ça me fait super plaisir de partager ces vidéos avec vous. Parce que comme vous l'avez vu, parfois l'avis il n'est pas toujours, positif sur certains produits. Et du coup ça fait du bien de pouvoir tester et d'avoir un avis constructif sur les articles avant de pouvoir commander. Donc moi ça me fait super plaisir qu'on me contacte. C'est une amie à moi qui m'a proposé en fait de retester un article, et du coup ça m'a fait super plaisir parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et dont je voulais vraiment passer commande personnellement. Et donc du coup là pouvoir le tester pour vous en parler, ça me fait très plaisir. Donc j'espère en tout cas que la marque et les modèles vous plairont en tout cas. Donc j'essaierai de faire une vidéo vraiment complète sur tout ce que la marque propose. Et j'ai aussi été invitée à un événement, donc ça je suis super contente également parce que c'est vraiment des beaux petits projets, et ça me fait super plaisir qu'on ait pensé à moi parce que c'est vrai que par rapport à certains, mais je suis pas vraiment suivie par beaucoup de personnes. Et le fait qu'on ait... Il y a ma fille qui est en train de jouer en bas, donc c'est pour ça que vous entendez un peu de bruit. Et donc le fait d'être contactée pour un événement, ça me fait très très plaisir. C'est vraiment une ouverture officielle d'une boutique, si on peut dire ça, même si c'est pas vraiment une boutique, mais plus d'un institut. Et franchement je suis super contente de pouvoir vous y emmener avec moi parce que je vais faire un vlog ce jour-là, donc je suis vraiment contente de pouvoir partager ça avec vous. C'est une personne que j'avais rencontrée lors des cafés numériques, donc il y a déjà un petit temps, c'était au tout début de la chaîne je pense. Et du coup, voilà, ici elle m'a proposé de venir à l'ouverture de ce qu'elle a créé, et ça me fait vraiment très plaisir parce que je suis vraiment... j'étais vraiment touchée en fait qu'elle ait pensé à moi pour ça, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous y emmener et hâte de vous montrer le rendu parce que j'ai déjà vu des petits aperçus et c'est vraiment magnifique, donc ça vaut vraiment le détour. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Dites-moi aussi si vous ça vous plaît que je vous prenne avec moi, parce que c'est vraiment la continuité de vous en fait. Grâce à vous j'ai de plus en plus de connaissances et de personnes qui viennent vers moi, donc c'est vraiment grâce à vous. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir vous prendre avec, parce que voilà, c'est vraiment un remerciement que je vous fais de vous prendre avec moi, de voir un peu tout ce qui m'arrive grâce à vous. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous serez content de venir avec moi par le biais de la caméra, parce que c'est vraiment important pour moi que vous soyez là dans ces moments là. Donc voilà pour ça. Ensuite au niveau vidéo, j'ai vraiment pas mal d'idées. C'est juste que pour l'instant il me manque un peu de temps. Je vais avoir plus d'heures prochainement au travail. Donc du coup
C'est niveau temps que c'est un peu short parce qu'il y a des choses que j'aimerais faire mais qui prennent énormément de temps à filmer. Donc j'essaye de trouver un bon compromis entre les deux, mais c'est pas évident. Donc tout se met en place, mais vraiment petit à petit. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais pas vous laisser sans vidéo parce que hier j'ai vraiment pas eu le temps de tourner. Quand je sais, je fais 2-3 d'avance pour être sûre d'avoir de la marge, mais là j'ai pas eu le temps. Du coup j'étais un peu à court et je me dis ben, pour me préparer toute seule, autant me préparer avec vous et discuter avec vous. Et comme ça, ben, voilà, vous êtes au courant de ce qui va arriver prochainement. Donc là je viens de mettre un fard à paupières sur toute ma paupière mobile de la Chocolate Bonbon de Too Faced. Et c'est le fard ici Molaless Chip. Donc c'est un fard très très... très très lumineux et j'aime beaucoup faire ça en ce moment, mettre un fard de base sur la paupière quand j'ai pas trop le temps de faire un grand make-up. Donc voilà, c'est ça dont je voulais vous parler aussi. J'ai reçu ceci, c'est une commande que j'ai faite sur Groupon et ce sont des pinceaux licorne. Donc vraiment avec la corne de licorne et les couleurs arc-en-ciel de la licorne. Donc dites-moi aussi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo première impression et vous faire un make-up complet avec tous les pinceaux. Parce que comme vous le voyez, ils sont pas encore déballés, je les ai gardés exprès pour vous. Voilà, j'aimerais bien vous faire ce petit tutoriel et vous dire un peu ce que je pense des pinceaux. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Et comme ça, ben, je vous fais ça au plus vite, à mon avis sûrement la semaine prochaine. Voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ça avec vous et je les ai commandés justement exprès parce que ça me faisait envie et je me suis dit c'est un bon plan et ils sont très beaux, j'avais envie de commander et de vous en parler, donc voilà. Donc je vais juste faire un tout petit peu le creux de paupières et ce sera déjà tout pour ce petit make-up parce que comme je vous dis, ben, pour tous les jours je fais quelque chose d'assez rapide et facile, donc c'est vraiment plus ou moins mon make-up de tous les jours, un fard assez lumineux sur la paupière mobile et en creux de paupière, un fard un peu plus foncé. Là je prends le mocha, toujours de la palette Chocolate Bonbon et ça fait très bien l'affaire comme ça pour la journée. Ici j'ai une journée assez chargée parce que je vais partir travailler et je vais faire de 11 à 19h30 je me suis levée assez tôt pour la petite et voilà, maintenant je me prépare et je vais bientôt partir. J'espère que je vais savoir tout vite mettre en ligne avant de partir. Si pas, ben, je le mettrai un petit peu plus en retard aujourd'hui. Dites-moi aussi, ça aussi je voulais savoir si ça vous convient, une vidéo par semaine et si l'horaire vous convient aussi le mercredi à 16h ou alors si vous préférez un autre jour. Moi c'est pareil pour moi. Maintenant, voilà, j'avais vraiment envie qu'on se tienne à une vidéo par semaine et je trouvais que le fait... avec le fait vraiment de placer un jour, c'était un peu plus facile parce que voilà, vous savez que tel jour à telle heure ma vidéo sort. Maintenant si vous préférez un autre jour ou alors que ce soit plus aléatoire sur la semaine, dites le moi aussi si vous pensez que c'était peut-être pas forcément une bonne idée de fixer un jour, mais voilà, moi je trouve que c'était plutôt pas mal parce que du coup j'ai un but sur la semaine, c'est de sortir le mercredi la vidéo. Mais il n'y a pas de souci si vous préférez un autre jour parce que je sais pas trop quand les autres vidéos sortent. Donc si vous en avez trop ce jour-là, ben, il n'y a pas de souci pour moi de le faire à un autre moment. Donc là je mets un petit peu de crayon noir dans la muqueuse inférieure. Ça souligne tout de suite le regard. J'ai également regroupé mes cils parce que du coup je vous parle et je vous dis pas trop les étapes, mais je recourbe à chaque fois mes cils même quand je suis pressée. Ça c'est une étape que je ne rate pas parce que je trouve que ça n'a pas le même rendu recourbé et pas recourbé, donc c'est quelque chose que je fais à chaque fois. Au niveau vidéo, j'ai aussi pensé à des routines expectation versus reality, donc ce qu'on imagine contre ben, la réalité, et je voulais vous faire ça par rapport à la vie de maman bébé. Donc dites moi si ça vous plaît ce genre de vidéo parce que c'est des vidéos un peu plus comiques et j'ai vraiment pas mal d'idées par rapport à ça. Après comme je vous disais, c'est plus niveau temps qu'il faut pas mal de temps pour ces vidéos là, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de sortir pour vous. Donc dites moi si ça vous plairait parce que c'est quelque chose d'assez drôle et ben, pour celles qui ne sont pas encore maman ou qui vont bientôt le devenir,
Mais c'est des choses un peu comiques sur la nouvelle vie de maman. Donc voilà, dites-moi aussi si ça vous plaît. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, dites-le moi en commentaire, parce que c'est vrai que c'est surtout pour vous et pour vous faire plaisir que j'essaye de sortir des nouveautés. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît, si vous avez des idées en particulier, parce que je me ferai un plaisir de vous les filmer. J'ai eu aussi, lors du concours, j'ai eu le rangement make-up et c'est prévu bientôt. Mais c'est juste que mon coin, il n'est pas tout à fait comme je voudrais. Il y a encore 2-3 choses à améliorer et du coup, bah, je voulais attendre de faire ça avant de vous poster vraiment le rangement make-up. Mais sinon, il n'y a pas de souci, c'est une vidéo que je comptais vous faire. Donc ça arrive aussi prochainement. J'ai notamment des petites étagères que j'ai achetées qui sont juste là derrière et c'est mon chéri qui doit me les placer et après encore un petit rangement et ce sera bon. Donc ça arrive aussi très prochainement, mais je voulais vraiment que ce soit complet et vraiment comme j'ai envie avant de pouvoir vous le montrer, parce que je vous dis là il y a 2-3 petites choses qui ne conviennent pas, donc voilà, je voulais modifier ça avant. Mais voilà, c'est des vidéos que j'aime regarder, donc que j'ai envie aussi de partager avec vous. Et si ça peut donner aussi quelques petites idées à certaines, il n'y a pas de problème pour ça. Parce que c'est vrai que moi, mon rangement, il n'a pas coûté très très cher. Donc ça peut donner des idées à certaines personnes qui ne savent pas trop comment agencer un petit espace. Parce que là, ici, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais c'est vraiment très petit. C'est quasi, allez, l'espace de ma coiffeuse et un tout petit meuble en plus. Donc c'est vraiment très étroit. Et donc du coup j'ai réussi à m'aménager vraiment une belle petite place et j'aime vraiment beaucoup cet endroit. Donc j'ai vraiment envie de partager ça également avec vous. Donc là je vais passer à la partie highlighter et c'est celui de chez Makeup Revolution, Ultra Blush Palette. Et ça se présente comme ceci. C'est des highlighters absolument magnifiques, je les aime beaucoup. Et pour l'instant c'est vrai que j'aime bien mettre une petite touche d'highlighter au-dessus de la pommette. Parce que je trouve que ça capte directement la lumière et ça fait vraiment un effet très très beau. Je compte aussi investir dans des lumières parce que je trouve que le rendu avec cet appareil photo-ci, il n'est pas très lumineux. Donc j'arrive pas vraiment à régler comme il faut l'appareil. Donc je pense que je vais investir dans des lumières. Il y en a qui ne coûtent pas très cher, donc ça vaut la peine, donc je pense que je vais faire ça. Parce que je trouve qu'ici, voilà, je vous ai fait un make-up, on voit quand même l'highlighter. Mais je trouve que c'est pas très lumineux pour avoir vraiment les couleurs du make-up qui ressortent. Donc voilà, c'est prévu aussi. Mais voilà, il y a pas mal d'achats à faire en ce moment. Donc j'attends un peu, mais ça va être fait d'ici peu. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. D'avoir un beau visuel pour pouvoir vous faire des tutoriels make-up un peu plus souvent. Parce que j'adore ça et j'aimerais bien partager plus avec vous. Donc voilà, je pense que j'en ai terminé avec mon make-up du jour. Il reste juste à mettre un peu de rouge à lèvres. Mais je pense que je vais juste mettre un baume à lèvres aujourd'hui parce que j'ai les lèvres un peu sèches. Donc voilà, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, ce petit vlog un peu blabla et tuto make-up entre guillemets, parce que voilà, je vous ai pas vraiment montré grand chose, mais j'avais envie de partager un peu avec vous et de vous montrer ma routine make-up du quotidien. Vous avez vu, ça dure pas très 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 longtemps, c'est vraiment ce que je fais pour aller vite. Je sais que c'est rapide et efficace, donc c'est vers quoi je me lance quand je sais pas trop quoi faire. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Mettez un petit pouce si cette vidéo vous a plu et si vous auriez envie d'en avoir plus souvent, des petits vlogs où je parle un peu avec vous et où je vous explique tout ce qui va arriver prochainement. Moi en tout cas, ça me fait très plaisir de partager avec vous. Donc continuez à vous abonner, à liker et à partager la chaîne. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Ensuite, un déodorant. Celui-ci, c'est le Sunex Nature Protect à la pierre d'Alain, donc zéro aluminium, paraben et alcool, 24 heures déodorant, anti-trace blanche, garde la peau saine.